this dude King Julius style. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre 22e épisode sur Force of Nature 2. Après avoir installé nos petits potagers ainsi que nos petits enclos pour nos animaux, nous avions dernièrement entamé l'installation de notre petit portail ainsi que de notre barbecue, en plus d'avoir réussi à upgrade pas mal d'établis ainsi que nos coffres, mais maintenant il est venu temps de se bâtir une petite maisonnette, car ça fait plus de 37 heures in-game que nous jouons et que nous n'avons pas un toit à nous mettre au-dessus de la tête. Mais je vous laisse découvrir tout cela. Bon visionnage. Ah, je vais peut-être pas la laisser là après de toute façon, hein, parce que là, avec le portail à côté, ça va être un peu relou. Après, je me tâte maintenant. Putain, je me tâte maintenant. Je vais peut-être foutre tout ce qui est forge et compagnie ici plutôt. Parce que comme je sors de là avec mes ressources, autant que je mette tout autour. Et je profite d'avoir une maison au bord de la plage de l'autre côté. Et j'ai plus de place. Après, si j'ai besoin d'un spot d'argile, si je construis ma maison au niveau du sapin, j'ai peut-être plus de chance. Ouais, même là, je pourrais enfin, quoi que là, ça peut me faire un jardin. Et je la construis là, je vais me chercher un spot d'argile ailleurs et un spot de terre aussi. Petit sapin de Noël, je vais te déplacer pour le moment et je vais te foutre là. Il va falloir que je déplace. Putain, toute ma forge. J'avais mis ça près de des pirates pour être tranquille et tout, mais en fait, tu vas partir de l'autre côté. Bah, c'est parti, hein, je déménage tout. One eternity later. Ok, mur. Donc là, on est bon. J'ai tout qui va être déplacé. J'ai tout ça qui va être déplacé et qui est en cours de route. Ça, pour le moment, à la rigueur, je peux le foutre là. Ça sera le coin popote. Ici, ça a été construit. Et ça va pas me gêner, donc... Ah, je peux faire du minerai de cuivre enrichi, les jeunes. Ouais, ok, ça n'a pas changé. Machin. Et de la poudre de jade. Je peux faire de la poudre de jade en plus. D'avoir un emplacement. Mais la poudre de jade, faudrait trouver à jade déjà. Donc là, on est bon. J'ai pas mal de place. Donc je me dis que si je commence mon petit jardin à partir de là, je peux peut-être commencer à poser les constructions. Merci bien. Ok. Attendez les jeunes, numéro 4. Donc du 4x4. Je sais pas la taille que ça a, ok. Ok, comme ça on a vu. Ensuite, numéro 3. C'est quoi? C'est le style. C'est un peu con, c'est que ton dessin on le voit pas trop. Là ça fait une croix. Limite, ce serait un plancher d'atelier ou de machin. Ouais, comme ça, comme dans The Rising. Et là, ça a l'air d'être des petits carreaux, des petites dalles. Ok. Et là, plus traditionnel, je pense que je vais partir sur le premier. Je vais partir sur le premier, les jeunes. Après, j'aurais pu mettre aussi celui-ci, hein, en biseau. Ouais, je vais partir sur le premier. J'espère que ça va faire une bonne tête. Donc, soit je me laisse un spot d'argile, soit pas du tout. Ce qui serait bien, c'est que je fasse... Je sais pas s'il y a moyen de faire des escaliers. Et vu que je peux pas pivoter quand je suis en mode construction, ça me gonfle plutôt. Au moins, le coffre, là, il a dégagé. Et si je me fais une entrée, il faudrait que je fasse mes escaliers. Putain, je vais être en décalage, les jeunes. Je sais pas si je vais pouvoir foutre des escaliers entre mes deux petites planchinettes. Ok, il manque de la pierre et des planches. Super. Super. Alors, pour retrouver mes planches, bon, déjà là il y en a. Et je crois que la pierre c'est dans un des coffres. Je sais pas où il va atterrir. Ça va être la surprise. Faut que j'aille trouver. Peut-être là. Non. Putain, faut que je trouve mon panier, les jeunes. Peut-être ici. Ouais, du bois. On va choper tout ça. Ah non, je veux bien tout prendre. Comme ça, je n'en ai plus du tout.
Il faudra aller en rechercher. Et je vais me choper un stack de pierres en plus. Ah, comme ça on est bon. Allez, c'est reparti, on va courir un peu plus vite. Ah, j'ai pas vu d'ailleurs. Alors, il faudrait que je pose deux structures. Et après, bah tant pis, hein, sinon j'aurai ma porte qui sera sur le côté. Ou même là. Hein. Faudra voir la taille des escaliers. Il me manque quoi? Il me manque des planches. Ah, ça va être bien relou, les jeunes. Hein. Je crois que je vais devoir retourner farmer. Bah, je vais retourner farmer du bois. Hein. Je vais déposer mes lingots et vider mes poches. Et on se retrouve après. Ok, mur, je suis en train de farmer un peu de bois. J'ai mon fantôme qui est en train de terminer le portail. Et je me dis que là, il y a une vache. Oh, putain, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Il y a une vache. Elle est au bord de l'eau. Je vais la choper, là. Allez, coince-toi. Ah bah, j'ai un mouton aussi. Ah, elle va partir où, là, la meume, là? Ah, ok. Nickel. Apprivoisé. Ah, suivre. Si je peux gauler le pépère, là. Oh, putain, tu déconnes. Je me suis tapé l'arbre. Ah, bah, il y a une autre vache, là. Ah, je vais faire 6 et couper cet arbre. Ok, mur, je me suis arrêté, j'ai plus de place dans mon inventaire. Par contre, je reviens avec la meume. D'ailleurs, ma petite résidence en construction, c'est de ce côté. Donc, j'ai réussi à gauler le mouton. On va aller voir la tête du portail. Ah, ouais, bah là, c'est ce que j'ai pas ramassé tout à l'heure comme ressources. Ah, pareil, j'ai 3 rondins qui traînent par terre. Si je me dépêche pas d'aller les choper, ils vont des pop. Merci, c'est trop génial. Donc là. Regardez-moi ça, le portail c'est terminé. Il me reste plus qu'à fermer sur le côté. Allez, venez vous. Là, on va refermer la porte. Ah bah voilà, comme ça c'est bon, c'est fait. Après, il faudra essayer de faire repop les gobelins et compagnie dans le secteur pour voir ce que ça va donner. Donc déjà là, je vais mettre la meume. J'espère qu'il y a assez de place pour elle. Vas-y, alors là, t'es déjà en train de me produire attendre ici. Vas-y, viens. Allez, dépêche le mouton, là. L'autre, le mouton, il a mangé chez les vaches, quoi. Vas-y, viens là. Et tu vas attendre ici. Et par contre, moi, je veux bien sortir et refermer la porte avant que l'autre andouille ne sorte. Là, j'ai le fantôme qui est là, je sais pas ce qu'il fout. Là, il y a l'eau qui est... putain, l'eau est sortie. Ah, l'eau est sortie, l'eau est sortie. Il faudrait que j'arrive à la prendre pour qu'il m'en refasse. Ah, qu'est-ce que je pourrais déposer ici, quoi? C'est le problème. Bon, je vais déposer cette pile-là. On va continuer à se mettre du plancher. J'aimerais bien voir s'il y a la possibilité de faire des escaliers ou un truc du genre. Ce qui serait en soi pas mal. Putain, il va falloir que je m'amuse à tout réorganiser après. Ça va me faire un sacré boulot, les jeunes. Mais en tout cas, je vais avoir une belle petite maison. Ah, d'ailleurs, les coffres là qui traînent en plein milieu. Celui-là, faut que je le déplace. C'est la tannerie. Ok, j'ai retrouvé mes pierres. Bon, pareil, il va falloir que j'aille sûrement en refarmer. Donc, construction, les jeunes. Je vais en mettre un là pour le moment. Et j'aimerais bien voir s'il y a la possibilité. Ouais, non, il n'y a pas d'escalier ou quoi aux caisses. Il n'y a pas d'escalier. Comment je vais faire pour si je veux faire un étage à la maison alors? Sinon, on peut pas faire d'étage. Bon, ça, on s'en fout, ils ont tout ce qu'il faut. Carré de culture, ouais, machin. La serre, c'est ce qu'il nous reste à faire. L'atelier d'horticulteur aussi. Allez, rangement pour les pierres, c'est ça qu'il faudrait que je foute. Faudrait que je les installe. Ah, mais par contre, ouais, pierre, là, ça va être tout d'un coup. Science et magie, production. La production. C'est pas là, non, ouais, produire un effort physique.
Avec des escaliers, c'est possible ou pas? Au fourneau, normalement là. Ah, donc, bah écoutez, ouais, c'est un peu. D'ailleurs, moulin à pierre, je sais pas pourquoi il me l'affiche encore. Level 3, c'est avec du bambou. Et level 2, on l'a, hein. On l'a fait, donc, ça vient de me l'afficher. Four à charbon niveau 2, on l'a fait aussi. Non, je vais pas le construire. La scierie, je sais pas si je l'ai par contre. Et il me manquerait de cuir. Mais je suis un peu en train de m'égarer. Donc pour le coup, a priori, il n'y a pas la possibilité de faire un. De faire un escalier tout simplement. Je me suis malheureusement un peu pivoté sur le côté. J'aimerais me faire une terrasse aussi devant. Et je sais pas si je mets le même plancher quoi. Donc là. Putain, il me manque des planches. Normalement, j'en ai relancé. J'ai prévu le coup. Je sais pas si j'en ai assez sur moi, mais on va pas pouvoir faire grand-chose. Si c'est comme ça. Et mon 3x3, il va pas avancer des masses. Il me reste une petite planche. Ok, mur, tant que je suis là, je crois pas avoir de rabot en fer. Vitesse de fabrication. Oh, putain, si je mets un rabot en fer juste à côté. Tous les rabots. Ouais, je vais me faire un rabot comme ça, les gènes. Hein. Ça, je remplace celui que j'ai. Et ça me permettra de produire mes trucs plus rapidement. Ciseaux en fer. Vitesse de fabrication. Oh, putain, je vais le programmer aussi, comme ça c'est fait. La marmite en fer, je suis pas sûr qu'on les qu'on les fait justement. La balance en cuivre, je crois qu'on l'a, puisque c'est pour l'alchimie et compagnie. Et le reste après, on n'a pas. Hein. Ouais, bah j'ai pas de place pour la marmite. Par contre, j'ai les planches, donc on va pouvoir se foutre une porte. Lui, il va continuer tout seul comme un grand. Je sais pas si je vais pouvoir poser ma porte directement. En plus, je suis en train de finir ici. Donc la porte. Ouais, je peux pas mettre entre deux structures. Je suis obligé de foutre ça là. Et je pourrais, par contre, ne pas la mettre à l'avant de ma structure, mais ça ferait bizarre quoi. Parce qu'après, pour les murs, je risque d'être embêté, hein. Voyons voir. Ouais, parce que pour les murs, ouais, j'ai pas 36 formats. Hein. C'est du 1 par 4. Et si je l'avance, ma porte, c'est mort, quoi. Donc je vais la mettre à fleur ici. Voilà, merci bien. Ce qui est chiant, c'est que je suis obligé de quitter le menu à chaque fois. Voilà, je vais mettre un tronçon de mur ici. Ah, malheureusement, c'est pas terminé. Donc je peux pas foutre celui d'à côté. Ah, c'est pas aujourd'hui que je vais avoir une maison totalement terminée, les jeunes, hein, qui donne sur la mer. Ah, ça promet, ça promet. Je sais pas ce que je vais pouvoir foutre dedans. Il va falloir que je voie pour construire un lit, peut-être, après. Décoration. Ouais, j'ai une chaise, mais le lit. Bah, ça peut m'éviter de dormir dans mon sac de couchage. Ça m'aiderait bien. Alors déjà, je peux mettre un mur. Là, je gêne. Voilà. Et je vais mettre deux autres tronçons de chaque côté. Pour mettre des fenêtres. Par contre, j'aimerais bien me trouver un lit pour dormir. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas une recherche par mots-clés. Et je suis obligé de mettre ma tête dans tout ça pour. Un carillon de fontaine pour décorer. Putain, je vois pas. Hein. Ah, le lit, il est là. Il me faut quoi? 20 planches, 5 pots et du lin ou de la paille. Je vais prendre du lin. On va essayer de trouver. Putain, ça me fait une maison en bois. Je sais pas si je peux poser d'autres structures tant que je suis là. Et après, je vais aller me chercher. Je vais me chercher du lin. Ah ouais, j'aurais pu prendre le blé que j'ai sur moi, mais je préfère le garder. Je vais choper du lin, je crois que j'en ai déposé en plus pas loin. Il me fallait 5 pots. Voilà, merci bien.
La première chose à faire, c'est de se poser un lit pour pouvoir passer une bonne nuit, quand même. Avec le travail qu'on a, et du... Non, là, c'est des myrtilles magiques. Bah, je vais aller choper du lin. Et il m'en faut... Ah, il m'en faut 20. Ah, il m'en faut 20. Ah, ok. Par contre, le rabot, je vais le remplacer direct. Et je sais pas si je peux cumuler les deux rabots, tiens. Mais après, les autres outils, je vais en avoir besoin. C'est un peu le problème. Donc, je vais laisser faire ça. Comme ça, au moins, quand je vais revenir, j'aurai ce qu'il faut. Là, ce sera la poubelle. Et les ciseaux, je sais pas où on les met pour s'en servir. Ok, mur, j'ai chopé du lin. On va aller faire ça. Je vais récupérer quelques planches en chemin. Ah, donc. Ouais, j'ai même pas la place pour poser mon lit. Je suis vaillant, moi. Mais après, je peux peut-être le construire. Comme ça, au moins, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Après, il reste plus qu'à foutre du plancher, quoi. De toute façon, il n'y a pas d'autre lit. Il y a que celui-là, chandelier, on s'en fout. Le barbecue, c'est fait. La chaise, on verra après. Je me foutrai peut-être un banc. Ou je vais peut-être attendre pour... Putain, ouais, mais le fauteuil, je vais l'attendre longtemps, le rocking chair, pour le mettre sur ma terrasse. Faudrait que je me fasse un mannequin aussi. Je sais pas si c'est pour l'entraînement ou quoi, aux caisses. Ah, donc, les fondations. Je peux... Plus foutre... Putain, il me manquerait une planche. Ah, il me manquerait une planche. Ah, écoutez, je vais me faire une prod. Ouais, je pense que là, ce sera assez. Et si je peux en mettre un de l'autre côté? Ah, forcément, il me manque des planches. Ouais, et là, je vais foutre une fenêtre devant. Ah, on va pas assez vite à deux, hein. Et je sais pas si... Apporter au travail. Je sais pas si en ayant un marteau sur moi, j'aurais pu fabriquer plus vite. Je vais aller voir avec le marteau que je pouvais construire à la forge. Enfin non, à la... je sais pas si c'était là d'ailleurs même. Enfin quoi, là, il y a marqué news, donc je suis pas sûr que ce soit ici. Ah là, c'est tout ce qui est flèche en fer, bouclier en fer. Ah, pour remplacer celui que j'ai. On verra tout ça quand on repartira au combat. Voilà, ça va être les armes. Ah, donc on va foncer ici. Donc, là, ça va être les lingots. Mais là... Putain, je l'ai vu. Bah, c'était à l'alchimie, alors. Marteau en cuivre. Vitesse de course, moins 10%. Ouais, ok, d'accord. Endurance, machin, dégâts. Marteau étincelant en cuivre. Ouais, mais on peut pas s'en servir pour bosser avec, quoi. Ouais, c'est un peu embêtant, quoi. Il n'y a pas un outil pour construire plus vite les gènes. Vous êtes sérieux ou quoi? C'est juste une tannée. Bon, là aussi, il y a de nouvelles armes et tout, mais on va attendre. Ah, bah écoutez, tant pis, hein. C'est un peu chiant. Attendez, s'il a fini mes planches, je sais pas si je peux en relancer. Moi, je vais faire les dernières. Et là, j'ai que 13 planches. Bah, on va se mettre à deux pour les faire. Bah écoutez, je vais refarmer du bois comme un cochon. Hein. Je vais farmer du bois comme un cochon. Là, je peux foutre un autre plancher, mais vu la quantité astronomique de planches qu'il me faut. Voilà, j'ai fait ma... Attends, je peux peut-être ouvrir la porte. Ouais, voilà. Là, je vais me faire mon lit. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Ouais, j'allais farmer du bois comme pas possible. Je pense que je vais peut-être même essayer d'aller faire un tour à la mine, choper du cuivre et du fer et bah, taper tous les spots qu'il y a. Et puis, je sais qu'on n'a pas fini de visiter la... Ah non, attendez. J'espère que je pourrais le déplacer. Si je fais ça, là. Ouais, je peux déplacer les murs. Ouais, parce qu'il est pas bien, il est pas bien mis. Donc ouais, on retournera avec les armes qu'on se fera la prochaine fois, avec le marteau et bouclier et compagnie en fer pour aller finir de visiter justement la zone de fer vu qu'il y a des ennemis qui nous attendent là-bas. Je suis armé de mes petites chips pour récupérer de l'endurance en plus de mon jus de raisin, donc c'est pas plus mal. Et là, ouais, attendez, c'est le plancher que je suis en train de fabriquer. Donc je vais décaler ça ici. C'est cool, c'est qu'après je pourrais remanier ma maison... Parce qu'après, je me dis que deux fenêtres là, proches de la porte, c'est peut-être pas terrible.
Et qu'est-ce que je peux faire avec le lit? Dormir jusqu'au soir, récupération. Restaurer les animaux et les ennemis uniquement dans cet endroit. Restaurer les animaux et les ennemis dans tous les endroits. Non, on fera juste dans cet endroit-là, je pense. Ah bah écoutez, je sais pas s'il y aura une animation quand je vais faire dodo. Bah non, malheureusement. Ah bah écoutez, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Je vous avoue que j'aurais bien mis quelques petites marches là devant pour pouvoir descendre. Mais bon, au moins, je peux aller me baigner. Et regardez, on voit pas le lever de soleil, mais il est là, on en profite. Et bah, on a un semblant de maison qui arrive. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Et on essaiera de se finir notre petite maison. Je pense que je viendrai jusqu'ici. Ça me semble pas mal. Et après, bah, faudra séparer les pièces pour faire quelque chose. Et à voir si la cuisine, je peux pas la foutre dans la maison. Ah ouais, je peux foutre ma cuisine dans la maison, les gènes, après. Alors, on va la mettre là. Et comme ça, si je veux aller me faire un barbecue, ben, j'aurai le barbecue dehors dans le jardin. Cette fois, c'est la bonne. Je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Et survivez bien. Excellent! Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros! Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau !